Ouais. Quel que vous faites en foot? Bah ouais. Où sont les filles, les femmes, au tempérament de guerrière? Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires? Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres ou les millionnaires? Les bobos, les mecs en survêt, les intellos, les mecs en fumette, où sont les quartiers, les blocs... Bonjour, Adélie pour Dange TV. Ici l'OSCD qui fête ses 30 ans cette année. Pour l'occasion, nous allons vous montrer ses coulisses. Tu peux couper s'il te plaît, j'ai un trou. Non mais stop, c'est la télé. Est-ce que c'est la télé? Bonjour, c'est la télé. Alors là, on est devant le local des maternelles. On va essayer d'interviewer des animateurs. Alors, en ce moment, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le thème voilà. Alors, le thème de la semaine, c'est les pirates. Donc là, on est en train de faire un mini jeu de piste. La vraie chasse au trésor, c'est demain. Là, c'est pour vérifier que mes petits matelots, s'ils sont forts, courageux et tout ça. Hein. Est-ce que vous êtes courageux? Oui. Hey, bonjour, ça va? Alors, ouais, tu me donnes la feuille déjà? Alors, bah, je commence ou tu veux commencer? Vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. On est à quelle question, madame? 3. 3, ok. Alors, pourquoi êtes-vous venu travailler ici? Et il faut m'expliquer bien comme il faut. Hein. Donc, je suis venue travailler ici parce que c'est pas trop loin de chez moi. Donc, forcément, c'est pratique. Et ensuite, j'ai une amie qui travaille aussi dans le centre. Elle m'a parlé d'ici, parce que je suis allée travailler avant dans d'autres endroits. Et elle m'a dit que c'était sympa. Où je suis venue, et puis voilà. Il y a une charade. Cette charade, je vais vous la dire tout de suite. Un drôle d'enfance. Mon premier est le contraire de tard. C'est quoi le contraire de tard, les enfants? Toboggan. 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 Allez, plus vite. Plus vite. Retrouvez, retrouvez. Avez-vous choisi de travailler ici? Parce que j'adore travailler avec les enfants. Ok. Pour l'instant, ça va. Vous faites quoi comme activité en ce moment? On est sur la semaine des pirates. Alors, on fait des activités pirates. On a fait un bateau de pirate, par exemple, aujourd'hui. On a fait un costume de pirate. On a fait quoi d'autre? Aide-moi. De la cuisine aussi. De la cuisine voilà, de pirate. Demain, je fais des muffins en forme de pirate. Pourquoi vous êtes venu travailler ici? Parce que bah, moi j'aime bien travailler avec les enfants, je pense que Léane c'est pareil. J'ai été à l'OSCD quand j'étais petite, j'étais les enfants, donc ça m'a donné envie de revenir et de voir ce que je... Enfin, faire la même chose de ce que je faisais quand j'étais petite, mais en animatrice. Que faites-vous comme activité? On a fait un perroquet, on fait des grands jeux, on fait plein de trucs quoi. Voilà, on fait plein de trucs. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Pensez-vous des jeunes de Dange? Alors je pense que les jeunes de Dange sont très bien élevés, y compris moi. Écoutez-moi déjà, ils me font marrer. Ils sont plutôt cool, sympathiques et accueillants pour les nouveaux animateurs. Moi je me suis bien marrée avec le groupe ciné, voilà. On a fait plein de choses, on a fait du paintball, on va faire du motocross, on a été à Océanie. Le chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil nous sommes en route pour le télé-ciné de Bouca. Les chiffres risquent l'avenir, nous appartient. Mais pas mal. Puisqu'on ne contrôle pas votre destin. Que votre soleil est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir, ne saurait toujours vous suffire. Dans cette liberté à venir.
Wesh, monsieur. Wesh. Alors, première question. Connaissez-vous l'OSCD ? Tout à fait, je connais l'OSCD. Qu'est-ce que c'est l'OSCD pour vous ? L'OSCD pour moi, c'est un groupe d'individus qui se rassemblent et qui s'unissent pour le bien de la collectivité. Ah ouais, carrément. Viens voir, j'arrive ! OSC, ça veut dire office socio-culturel. Moi, c'est marqué là, puis on rentre. Vas-y, attends. Hey, on le court, coup. Hein. Pas trop de bruit. Hein. Vas-y. Oh, MDR. Nous entrons dans les coulisses de l'OSCD. Alors, en fait, normalement, j'ai pas le droit, mais bon, je suis entrée quand même. Donc là, j'ai monté jusqu'à... On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers le calme et jardin. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Alors là, je vais monter... Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui, vous pouvez. Qu'est-ce que c'est l'OSCD? Qu'est-ce que c'est l'OSCD selon moi? C'est une grande maison où tous les habitants sont invités à venir. Les jeunes, les moins jeunes, les papas, les mamans, les enfants, les papis, les mamies. Pour faire quelque chose ensemble d'intéressant, passer du temps, s'amuser, monter des projets. L'OSCD, c'est une association et c'est un centre social. Ça veut dire que c'est les projets des personnes, des habitants de Donge, des jeunes, de tout le monde. Et c'est ça qui fait l'OSCD. Wesh, alors, qu'est-ce qui a fait pousser l'OSCD, madame? Alors, qu'est-ce qui fait pousser l'OSCD? Alors, pour être sérieuse, je dirais que c'est vos idées. Vous avez plein d'idées et l'envie de faire ensemble. Moi, je trouve ça chouette. Et pour être un petit peu plus dans la rigolade, j'ai envie de vous dire de la flotte. Et ici, il y en a pas mal. Je crois que c'est les idées de tout le monde. Le fait que plein de gens donnent des idées, plein de gens de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les catégories, le personnel, les gens qui viennent, les familles, les adultes, les jeunes, les élus, tout ce monde-là donne des idées et ça fait pousser l'OSCD. Ah ben je crois que c'est un petit peu l'ensemble des salariés qui ont donné un dynamisme à l'OSCD et on a changé beaucoup, beaucoup de choses et il faut s'adapter aussi à la population. Puisque l'OSCD, il y a 30 ans, il y avait un petit peu moins de monde à Donge. Et donc, je crois que maintenant, ça prospère beaucoup. L'association a grossi suite à l'évolution de la société. Beaucoup de gens maintenant travaillent à deux dans les couples. Et les familles sont souvent éloignées de leur lieu d'enfance, ce qui fait qu'il n'y a plus les grands-parents auprès pour garder les enfants. Donc l'association a grandi suite aux demandes de garde, entre autres, surtout sur le secteur enfance. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un événement marquant? Oui, alors je veux bien te parler d'un événement marquant. En fait, c'est un événement qui se reproduit chaque année et qui s'appelle le Petit Noël de l'OSCD. Pourquoi ça me marque? Parce qu'en fait, on est tous les animateurs, on se retrouve, on se met à l'extérieur, on prépare des animations, on vous prépare des petits chocolats, des petites choses, pour faire qu'on puisse vous offrir à tous un moment sympa. On est avec des petits bonnets, ça clignote de tous les côtés, il y a le Père Noël qui vient, ça illumine les yeux des tout-petits. Et j'aime bien parce que c'est un moment convivial où on voit des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, je pense que pour moi, en tout cas en tant que directeur, l'événement marquant tous les ans, c'est l'Assemblée Générale. Donc là, on invite tous les adhérents de l'OSCD et on présente ce qu'on a fait dans l'année, ce qu'on va faire l'année d'après. Moi, ce qui m'a marqué, c'était important, c'est quand nous avons emménagé ici en 1988. Nous étions avant dans un petit réduit, juste une petite pièce et un petit couloir. Il y avait le directeur et moi. Et 5 mois après mon arrivée, nous avons eu ces locaux-là et nous étions super contents. Alors l'événement marquant de l'OSCD, lorsque je suis arrivée, j'étais nommée présidente, moi j'ai fêté les 20 ans de l'OSCD. Alors un événement marquant, cette année, les 30 ans de l'OSCD, ça c'est un événement marquant. Alors là je vais rentrer dans une pièce, ah c'est la cuisine en fait. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant.
calme jardin. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse. Que pensez-vous de l'OSCD? Qu'est-ce que je pense de l'OSCD? Que du bien, hein? Que du bien, vu que j'y anime les ateliers de poterie, j'y pense que du bien. Je trouve que c'est bien, que ça apporte beaucoup de choses. Mais c'est formidable depuis le temps que, depuis moi je connais ça. Les festivités, c'est formidable, on va avoir la balade gourmande là, avec le comité des fêtes à la rentrée, donc ça va bien nous occuper. Alors, je connais très peu l'OSCD, mais en tant que trésorière de l'Union des commerçants de Donges, je participe à la balade gourmande, donc c'est une randonnée avec différentes étapes, le 13 septembre. Donc ce que je trouve aussi à l'OSCD, c'est qu'ils font plein d'animations, et ça je trouve ça super pour vous les jeunes. Ok, merci. Oh mince, on a oublié la peinture jaune. On va la chercher. Tu fais quoi là? Dernière question, la question que vous attendez tous. Pouvez-vous nous chanter une chanson qui représente les jeunes? Un jour dans sa cabane, un tout petit bonhomme jouait de la guitare. Olé olé au banjo, oh oh. Montre-toi comme tu es, ce soir pas de tenue exigée. Ah la 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 la. La 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 la. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de me dire à Mais on ne sait plus la suite, il nous faudrait le papier. La 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 la. Si tu vas à Rio, connaissez-vous l'histoire choubidoubidoua de la petite mandarine choubidoubidoua qui s'en allait un soir choubidoubidoua au bal de sa meilleure amie choubidoubidoua. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards. Et s'appeler les copains d'abord. Pavillon noir et tête de mort, voilà les pirates. Pavillon noir et tête de mort, voilà les pirates. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.